18h tout pile, bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous sur 01 Net TV, la première chaîne vidéo d'actualité high-tech en France. On est ravis de vous retrouver comme chaque vendredi, 18h, 18h30, c'est le 01 Live Hebdo. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous allez vous régaler ce soir. Une console de jeu chasse l'autre. Il n'y a pas très longtemps, on parlait de la nouvelle Nintendo Switch. Eh bien, oui. Vous allez découvrir dans ce 01 Live la nouvelle Shield de Nvidia avec notre spécialiste Aymeric Siméon. Et oui, qui va tout nous dire. Elle est très attendue, cette nouvelle Shield. Hein. Elle succède elle a un look d'enfer à la précédente qui s'est sortie l'année dernière. Quoi de nouveau ? Aymeric va tout nous dire dans un instant. Oui, et puis, juste avant cela, on s'intéressera un petit peu à l'actualité des startups. Vous savez peut-être que se prépare bientôt l'ouverture du plus grand campus consacré aux startups, le plus grand du monde, et ce sera à Paris. Facebook va y participer. C'était l'actu de ce début de semaine. Et oui, on aperçoit Xavier Niel, vous allez tout comprendre dans un instant. Voilà, c'est la fameuse station F qui est vraiment un très très gros événement. Toujours la polémique à propos du grand fichier TES, vous savez, celui qui... numérise, mémorise toutes nos données personnelles. Le fichier des gens honnêtes. Exactement. Delphine Sabatier viendra nous en parler dans son Zoom Actu dans un petit quart d'heure. Comme chaque semaine dans 01 Live Hebdo, le Labo, nos spécialistes du Labo 01net viendront nous présenter les derniers joujoux qu'ils ont reçus et auxquels ils font subir les derniers outrages hein, oui. en termes de tests, d'autonomie, etc. Vous découvrirez ce soir le Honor 6X, le Galaxy A de Samsung... et un smartphone pour les baroudeurs qui ont l'habitude de casser leur téléphone. Ça ne leur arrivera plus. Voilà, c'est CrossCall qui vient de sortir ce téléphone qui, paraît-il, résiste à tout. Mais écoutez, vous savez quoi ? On va voir si c'est vrai. Il va faire ça toute la soirée, je préfère vous prévenir. Ben voilà, ben en théorie, il résiste au choc. Évidemment, notre question 01 Net Orange, et bien justement, chaque jeudi soir. Et justement, avez-vous déjà cassé votre téléphone ? Dites-le nous, vous allez sur www.01net.com. Vous répondez à ce petit sondage, oui ou non, et on fera le point tout à l'heure, comme chaque semaine. Je crois qu'il y aura une majorité de oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... On ne peut pas préjuger. Hein. On va voir. Ça va être très intéressant. Voilà, www.01net.com pour notre question 01 Net Orange. Soyez les bienvenus. C'est parti pour ce 01 Live Hebdo. Vous le savez, 01 Live Hebdo, chaque jeudi soir, c'est 30 minutes en direct sur toute l'actualité high-tech. Et comme nous sommes en direct, à la fois sur 01 Net TV, sur YouTube, mais aussi sur Facebook Live, on salue tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook. Eh bien, vous pouvez réagir. Le plus simple, c'est de centraliser toutes vos questions, vos réactions sur Twitter avec le hashtag 01 Live. Vous nous laissez votre petit message avec le hashtag 01 Live. Vous êtes les bienvenus. Il fait beau sur Facebook ? Oui, il fait très beau sur Facebook. Il fait encore meilleur sur Twitter. Ah, c'est la rime. Non, c'est de Facebook qu'on va parler. Ah, très bien. Facebook était à Paris cette semaine. C'est vrai ? Oui. Pas n'importe qui, en plus. Ah non, l'une des représentantes de très très haut niveau. Et oui. Alors, c'était pas Mark Zuckerberg. Non, c'était pas Mark Zuckerberg, mais c'est la numéro 2 de Facebook, c'est Sheryl Sandberg. Et alors, pourquoi était-elle à Paris, Sheryl Sandberg ? Eh bien, parce qu'elle est venue annoncer qu'elle allait participer, en tout cas que Facebook allait participer à Station F. Alors, vous découvrez sur ces images Station F, qui n'a pas encore ouvert, qui est donc ce gigantesque campus consacré aux startups et qui a été initié et financé même par Xavier Niel. Il ouvrira en avril prochain. C'est gigantesque, hein, Jérôme. C'est énorme. Rappelons que donc, des centaines et des centaines de startups pourront travailler là-bas. Ouais. Elles pourront être hébergées. Bien sûr. Ça va être carrément pratiquement un nouveau quartier qui va être créé dans Paris. La directrice de Station F. Et ça, c'est Sheryl Sandberg de Facebook qui vient donc annoncer que Facebook aura son petit corner en quelque sorte. Ils vont faire un incubateur au sein de Station F et ils vont incuber comme ça, alors pas beaucoup, c'est assez timide malgré tout comme présence. Hein. Il y aura moins d'une dizaine de startups qui seront coachées, hébergées, conseillées par des professionnels de Facebook. Alors est-ce que c'est un coup, on va dire entre guillemets, d'image pour Station F et Xavier Niel ? Non, il y a un peu de ça. En disant, ben voilà, Facebook arrive les gars, attention, venez aussi. Parce qu'on peut imaginer que tout
tous les amis de Xavier Niel seront présents. On peut imaginer par exemple François-Xavier Grandjean de Vente Privée qui pourrait venir aussi. Jacques-Antoine, pardon, ouais. J'ai dit François-Xavier, c'est Jacques-Antoine. Salut François-Xavier. Non mais c'est vrai qu'on peut imaginer que Vente Privée puisse aussi développer des startups et oui, pousser oui, des startups. L'idée c'est ça, aussi, c'est un lieu et à l'intérieur il y aura des incubateurs proposés par, de grandes sociétés. Ça va être le modèle économique d'ailleurs de cette station F. Ouais, puis on a aperçu également Anne Hidalgo parce que c'est vrai que ce sera un très joli coup pour Paris, même si c'est vraiment d'une ampleur internationale, hein, ce station F. On aura l'occasion d'en reparler. Et rappelons que tout ça est financé par Xavier Niel. Ouais, absolument. Tiens, alors justement, Xavier Niel, comme il était là, on s'est dit, y a une actu qui nous intéresse bien, c'est tout ce qui touche à la Freebox. Ouais. Hein, et alors, il se trouve qu'Amélie Charnay est passée à côté de Xavier Niel, comme ça. Hein, enfin, elle lui a couru après. Et elle lui a demandé si il avait des nouvelles concernant la nouvelle Freebox, vous savez, la fameuse V7 qu'on attend depuis des mois et des mois, voire des années. Alors, réponse, attention les amis, scoop dans Zéro en Live, la réponse de Xavier Niel. Monsieur Niel, un petit mot peut-être sur la Freebox V7. Désolé, elle arrive. Est-ce qu'on peut vraiment s'inquiéter? Vous nous la promettez pour 2017, monsieur Niel? Je suis désolée, il n'y a pas de question. Alors voilà, ça c'était le plus petit reportage au monde, Jérôme. On est d'accord, hein? Oui. Bon, alors voilà, donc d'après ce que nous a dit Xavier Niel, il n'y aurait pas de nouvelle Freebox pour tout de suite. Non, hein, visiblement, cadré, très américain, très. Ils sont venus, ils ont fait leur petit speech, ils sont repartis. Pas une question, pas une interview, rien du tout. Très bien. Bon, écoutez, de toute façon, on suivra ça de près, de toute façon. On accueille maintenant Aymeric Siméon. Salut Aymeric. Bonsoir. De la rédaction de Zéronet.com, Mister PC est là, les amis. Mister PC, c'est pas mal ça. Hein, ouais, c'est pas mal. Mister PC, mais Mister Console. PC. Non, pour une fois, c'est pas un quoi PC. Quoique. Non. Pas tout à pas fait. Pas tout à fait. À moitié. Monsieur moitié PC. Voilà. Est là. Aymeric Siméon, avec la nouvelle Shield. C'est ça, là. Elle est là. Elle est là. Alors, mais c'est tout petit, Alors, hop, comme j'ai le retour, je peux la montrer. On dirait un gros smartphone. Alors ça c'est en plus, hein. Hop, ça on va l'enlever. Ah, voilà, ça ressemble à ça, c'est petit tout plein. Alors effectivement, elle est bien moins grande que la version qui était sortie en fin 2015. Ouais. Donc elle s'appelle toujours Shield Android TV. Ça a pas changé. Mm-hmm. Bon, elle a juste ajouté 4K HDR à sa référence. Ce qui finalement est un petit peu, pas tout à fait une nouveauté non plus, parce que l'ancienne proposait déjà le décodage de la 4K et la compatibilité HDR. Donc voilà. La grande nouveauté finalement, c'est le boîtier plus petit, ça c'est certain, qui au passage a quand même perdu son lecteur micro SD. Ah bah oui, forcément, réduction, réduction des coûts oblige. Hein, Comment on fait pour ajouter de la mémoire? Alors, Aymeric, pour ajouter de la mémoire, donc. Il y a 16 gigas intégrés, d'accord. 11 vraiment exploitables. Oui, parce qu'il y a le système d'exploitation. Voilà, etc. Ça tourne sous Android TV, ce truc-là. Tout à fait, et sous Android TV 7. C'est-à-dire c'est la première d'ailleurs qu'on a reçue, la première Google TV qu'on a, Box Google TV, qui tourne sous Android 7. Voilà. Oui. Et ça c'est plutôt sympa. Alors, Attends, qu'on comprenne bien. Donc c'est à la fois une console de jeu et à la fois une alors box voilà, télé. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas eu... Fais-nous un petit résumé du premier épisode. La Shield, c'est... Si vous avez manqué le début. Voilà, si vous avez loupé la sortie l'année dernière de la Shield, c'est quoi? La Shield, c'est un produit Nvidia qui est motorisé par Google TV et donc qui est à la fois un boîtier pour pouvoir exploiter du contenu multimédia, alors aussi bien en local... par exemple en branchant une clé, un disque dur, etc., pour lire des vidéos, mais aussi qu'en streaming, puisque sur l'écosystème Android, on a Netflix, on a OCS, etc., on a plein d'applis qui permettent de pouvoir lire de la vidéo à la demande, en catch-up, etc. D'accord. Et puis c'est aussi, d'un autre côté, Nvidia oblige, ADN de gaming, une console de jeu. Alors d'accord. Une console de jeu... On se comprend bien. Elle ne va pas pouvoir rivaliser avec la Xbox ou la PS4. Hein. C'est pas du tout le. On joue pas dans la même. Non, pas du tout. En revanche, ce qu'elle a pour elle, elle a un service de cloud gaming, donc de jeux dans le nuage, qui, moyennant un abonnement de 10€ par mois, va vous donner accès à des jeux PC. Mm-hmm. Et ça, c'est assez intéressant parce que finalement, pour peu que j'ai une bonne connexion Internet, je vais pouvoir, en souscrivant à cet abonnement, jouer à des jeux PC sans avoir besoin d'avoir le PC. Mm-hmm. Ça, c'est plutôt bien.
Il y a dans cette offre des jeux gratuits et puis il y a aussi la possibilité de s'offrir des jeux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nvidia envoie en plus un code Steam ou Good Old Games sur certains jeux, histoire d'avoir un équivalent PC. C'est-à-dire que j'achète mon jeu, et puis le jour où je me désabonne du service, bah, je garde quand même mon jeu que j'ai acheté. Mmh. Mais pourquoi j'achèterais ça finalement, Aymeric? Plus pour l'aspect télé ou plus pour l'aspect gaming? Eh bien plus pour un peu tout. Ah. Aujourd'hui, c'est la meilleure box TV du marché. Enfin, la box TV Android du marché. Je ne dis pas qu'elle peut supplanter nos box TV opérateurs. Oui. Parce qu'il lui manque le tuner. Néanmoins, oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder la télé en direct très facilement. Faux. Avec des applis. Faux. Faux. Voilà, avec des applis et notamment avec Molotov. Molotov. Et oui, Molotov, bien sûr. Voilà, Molotov. Sapristi. Molotov est arrivé en avant-première sur la Shield. D'accord. Ouais. Voilà. Enfin, elle est déjà sur d'autres plateformes, hein. Elle est sur l'Apple TV. Hein. Tout à fait, mais elle est en avant-première sur l'écosystème Android TV, elle est en avant-première sur la Chine. En plus, ils offrent des heures d'enregistrement, tout etc. À fait. Il y a une petite... Voilà, il y a pas mal de choses en ce moment. Et donc, ça permet de pouvoir regarder de la TV en direct, finalement. Ça va aussi, donc, comme je disais, pouvoir... Par contre, Molotov est un peu en retrait en ce qui concerne le replay. Mais bon, fin de la parenthèse. Oui, il n'y a pas la même chose que sur les box opérateurs. Alors effectivement, l'offre n'est pas aussi grande, néanmoins il y a quand même déjà vraiment de quoi se faire. Moi je ne connaissais pas le service, je suis allé me balader à l'occasion. Non, mais c'est formidable. Voilà. Ah, oui, mais c'est assez dingue quand même. C'est dingue, ça remplace une box télé. Quoi. Moi je n'allume plus ma box télé. Hein. C'est vrai? Ah ouais, je passe 100% par l'Apple TV en ce qui me concerne. Alors c'est le pari que veut faire Nvidia, c'est dire moi je peux vous faire économiser la location de votre box TV avec ma Shield. Donc ça c'est pour tout l'aspect multimédia, la vidéo, etc. Pour le jeu, ça va permettre aussi à des gamers de pouvoir, par exemple, jouer à des jeux PC dans le cloud, mais aussi à des jeux PC qui sont installés sur le PC dans le bureau, parce que je peux streamer le contenu de mon PC directement sur la Shield, sur ma télé. Ça, c'est assez sympa. En Wi-Fi ? On peut jouer avec la manette. Alors, en Wi-Fi ou en filaire. D'ailleurs, je recommande le filaire. Hein, beaucoup plus simple, etc. Oui. Et puis, il y a aussi tous les jeux Android, parce qu'elle est compatible avec tous les jeux, ou une grosse partie de jeux Android, cette Shield. Ça, c'est pas Donc, mal. Ça fait... Ça fait vraiment beaucoup de jeux, on peut vraiment s'amuser avec beaucoup beaucoup de titres, tant ceux qu'on connaissait sur nos smartphones que ceux qu'on va avoir sur PC ou sur console si jamais ils sont sortis sur toutes les plateformes. Donc c'est assez sympa. Et voilà. Et donc bon, parmi les nouveautés, il y a une nouvelle manette. Nvidia a redessiné sa manette. Ils se sont lâchés sur le design. Hein. Ouais, et ben honnêtement, je préfère à l'ancienne qui était vraiment pas belle et qui était hyper massive, etc. On dirait le ministère de la Défense, vous savez, qui est juste à côté de... Ah oui, c'est vrai un peu. Hein, mais en même temps, on pourrait voir là une expression artistique, oui, les triangles, tout à fait, c'est doulard, voilà, c'est doulard. Doulard, ou du cochon d'ailleurs. Exactement. Et voilà, et on a aussi la télécommande qui est maintenant fournie en fait, qui était avant vendue en option. Ouais, ça c'est et un qui peu est maintenant gonflé quand même. Voilà. Alors, elle a un peu évolué cette télécommande, pas forcément bien malheureusement. Avant, elle avait une batterie rechargeable, maintenant elle a des piles boutons. Ah, pas très écolo ça. Et puis voilà, il y a quelques parties en plastique, enfin qui sont maintenant en plastique, qui étaient en métal avant, notamment celle sur le devant. Mais pour le reste, elle n'a pas changé et on peut toujours aussi se servir tant de la télécommande que de la manette pour pouvoir activer Google AI. Donc c'est-à-dire je peux parler à ma télécommande ou à ma manette pour dire hey Google, qu'est-ce qu'en fera-t-il demain matin à Paris? Et je vais voir qu'il va faire moins 4 et il faudra que je vienne en parka. Et je peux aussi l'interroger sur les contenus que j'ai dans les applis. Voilà, trouve-moi le dernier film avec Tom Cruise. Hop, elle va chercher le dernier film Tom Cruise. Pas de trace d'Alexa ou de choses comme ça. Hein. Alors, Nvidia travaille à l'implantation de toutes les fonctionnalités avancées de Google AI. Pour l'instant, c'est des fonctionnalités qui sont uniquement en anglais. Bon, si c'est Google, ils vont pas mettre Alexa, c'est sûr. Voilà. Et puis, Nvidia, pendant la présentation au CES, n'a pas exclu non plus d'incorporer son propre écosystème d'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est maison connectée. Parce que ce qu'ils aimeraient bien, c'est transformer aussi cette Shield en finalement station pour la maison connectée. Alors il y a déjà une appli Nest qui existe. On peut piloter un peu sa caméra de surveillance, etc. Mais eux aimeraient pouvoir développer leur propre application. Et ça pendant leur propre application et surtout leurs propres outils, leurs propres accessoires pour la maison connectée. Et ça c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup plus qu'ils ont commencé à montrer et développer lors du CES. Donc on peut légitimement penser que, en tout cas aux États-Unis, Nvidia a la volonté de s'installer un petit peu, finalement, un peu plus dans la maison, de façon connectée. On a quelques questions, Aymeric. Oui. D'abord de Caribou, qui est un fidèle, hein, qu'on salue au passage. Est-ce qu'on peut mettre la manette de la Xbox One sur la Shield?
Alors normalement, je veux pas dire bêtises, non. En revanche, on peut se servir de la manette de la Shield sur un PC, vu qu'elle est Bluetooth, on peut la pairer. Normalement, non. Néanmoins, pour pouvoir jouer à certains jeux PC, etc., on pourra quand même connecter une souris et un clavier tant filaire que Bluetooth, la Shield les reconnaît. Ouais. Ça c'est plutôt bien. Ouais, donc on peut se faire par exemple des parties de FPS, tu peux te faire un Battlefield. Voilà, typiquement, le scénario sympa, c'est j'ai Battlefield installé sur mon PC de gaming dans le bureau, je le lance depuis la Shield sur ma télé dans le salon, je prends ma souris et mon clavier et je peux jouer dans le salon via ma Shield en tirant on va dire avantage de la puissance de mon PC qui est dans le bureau, et je vais retrouver exactement les mêmes sensations que sur mon PC, donc, tout ce qui est sur ma télé. Donc tout ce qui est ressources graphiques, dans ce cas-là on utilise les ressources du PC. Tout à fait. En fait, la Shield... Donc il faut quand même un PC musclé par derrière. Alors, mais pas nécessaire que pour le stream, non pour le GeForce Now. Le GeForce Now qui est le cloud gaming. Cloud gaming, t'as pas besoin du PC. Tu souscris à 10€ par mois à l'offre. Tu as accès à un catalogue de jeux PC, gratuit pour certains, payant dans d'autres. Et tu te sers finalement de la puissance des serveurs Nvidia sur lesquels tu es connecté via ta connexion Internet. Et là, la Shield ne sert que de flux vidéo. Elle transmet un flux vidéo. Et remonter les informations de la manette. Donc même si c'est du Nvidia, il n'y a pas de carte graphique de la mort qui tue là-dedans. Pas du tout. Il y a simplement le Tegra X. Voilà, leur fameux petit processeur qui au début servait sur la voiture connectée. Arthur nous demande combien ça coûte cette Shield TV. C'est une super bonne question. Alors la Shield TV avec la manette et la télécommande est vendue 229€ dans sa version 16Go. Il y a une version pro avec un disque dur de 500Go qui est un peu plus grande, qui va être 40% plus grande, c'est-à-dire qui est à peu près de la même taille que la version d'avant. Elle, pour l'instant, le prix n'est pas communiqué, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais elle va arriver. L'absence de port SD, c'est un peu bizarre. Alors, l'apport de port SD, effectivement, c'est un manque. Néanmoins, moi, j'ai trouvé la solution. Je passe par un petit dongle USB 3.0 avec 128 Go. Ça fait penser c'est une petite clé que j'ai connectée à l'arrière, et en fait, j'ai déporté intégralement tout le système là-dessus. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que tout mon stockage, mes applis, elles sont installées là-dessus. Mais il faut un peu bidouiller, non, j'imagine. Pas du tout. Au lancement, tu branches ta Shield, tu mets ça dedans. Ouais. Au lancement, il te dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je prends la mémoire de stockage interne comme stockage principal ? Ou la mémoire de la clé USB ? Tu lui dis la clé USB, et en 3 minutes, top chrono, c'est bouclé. 128 Go, mais si tu as une clé 256, n'importe laquelle, cool. Ça passe. Merci Émeric. Je vous en prie. Voilà, merci le test, beaucoup. On va dire complet de cette Nvidia Shield 2, très bientôt sur 01net.com. En tout cas, ça fait causer, aussi bien sur Twitter que sur YouTube aussi, où il y a pas mal de commentaires concernant la Shield. On revient dans un instant les amis, 18h17, et on accueille Delphine Sabatier pour notre Zoom Actu de cette semaine. Et avant d'accueillir Delphine, Jérôme, peut-être un mot sur notre question 01net orange de ce jeudi soir. Avez-vous déjà cassé votre téléphone ? Question toute simple, puisqu'on va parler dans un instant de smartphone durci. Regardez, on pose la question à Delphine ou pas tout à l'heure ? On va lui demander, regarde d'abord la tendance. J'ai ma petite idée, mais bon, Eh bien non à 55%, tu vois, tu t'attendais à avoir un raz-de-marée. Oui, c'est à peine 1 sur 2. Finalement, les internautes de 01net.com et de 01net TV sont très soigneux. Exactement. Ça fait plaisir. Et ils sont très chanceux également, je pense. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Alors Delphine, tu es de quel côté ? Écoute, moi j'ai cassé une tablette. Oh ouais, je voulais tout de suite passer à la taille supérieure. Voilà, carrément. C'est ça. Voilà. Donc pas encore le smartphone. Non, pas très bien. Et avec Delphine, on va retrouver notre Zoom Actu pour parler du TES. Oui, chaque semaine, Delphine vient, elle prend un gros thème de l'actualité bien compliqué. Et le décrypte, et on comprend tout à la fin. Le TES, c'est ce méga fichier qui est censé contenir les données de 60 millions de Français. On en a déjà parlé. Il y a du nouveau et les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, alors le jour où on l'a découvert ce fichier, déjà, il nous a fait peur. C'est vrai. Là, les dernières nouvelles ne vont pas arranger les choses. Alors TES, on rappelle, c'est ticket électronique sécurisé. Ça doit fusionner donc dans les 2 ans qui viennent toutes les données qui sont contenues dans les passeports et les cartes d'identité. Ça veut dire notre état civil, adresse, couleur des yeux, de la taille, enfin tout ce qui est écrit dans votre carte d'identité, dans votre passeport, mais aussi les données biométriques. Donc votre photo, votre reconnaissance d'empreinte digitale.
Et on se rappelle que Tess est né un dimanche d'Halloween, comme un monstre un petit peu. Et qu'il a tout de suite mis son monde en colère, notamment Axelle Lemaire, qui était la secrétaire d'État au numérique à l'époque. C'est clairement, elle a tiré à boulet rouge dessus, elle s'est clairement offusquée de voir ce décret signé comme ça, un petit peu à la va-vite, sans débat parlementaire. Elle est très vigilante, aussi... c'est vrai, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Oui. Elle est très sensible là-dessus. Elle est très sensible parce qu'en plus, elle a fait voter une loi pour que les utilisateurs, les Français, aient davantage de la main sur leurs données personnelles. Or là, justement, il s'agit de reposer cette question. On a aussi le Conseil national du numérique qui, très vite, a demandé la suspension du décret, et la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui, elle aussi, s'est inquiétée qu'il n'y ait pas eu d'étude d'impact et de débat parlementaire. Alors aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que ce méga fichier biométrique des Français est à nouveau sous feu des critiques, et ça fait très très mal, puisque cette fois, les coups viennent de deux autorités, deux agences nationales très importantes, qui sont les agences en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, et la direction aussi interministérielle du numérique et des systèmes d'information de l'État. Oui. Voilà. Ça rigole pas. Ouais. Alors visiblement, ce qu'on apprend dans ce rapport n'est pas très rassurant, hein, Delphine. Non. Qu'est-ce qu'il dit sur le TES, ce rapport ? Alors, il nous dit que la sécurité globale du système est perfectible, hein, je reprends les termes du rapport, et qu'il y a même un certain nombre de vulnérabilités d'une gravité plus ou moins variable. Donc quand même, ça veut dire de très grave à pas trop grave. On précise aussi dans ce rapport que ce fichier peut être détourné assez facilement à des fins d'identification. Alors ça, il faut juste préciser que ce fichier doit nous permettre d'authentifier le porteur des papiers. Donc c'est vraiment pour vérifier l'authentification de la personne à travers ce fichier. Pas pour l'identifier par défaut. Or là, visiblement, on pourrait faire le lien entre une base de données et la personne qu'on a en face de soi, ce qui pose la question des libertés individuelles, de la finalité de ce fichier. Et puis surtout, le rapport signale qu'il n'y a pas pour l'instant de technique pour tracer ces rapprochements entre ces fichiers. Et donc, elle demande qu'on mette en place des techniques qui soient automatisées et assez robustes pour vérifier l'usage qu'il en sera fait. On préconise également, alors ça je trouve c'est également inquiétant, un chiffrement des données biométriques et des pièces justificatives. Donc ce n'est pas fait pour l'instant. Alors ça doit se faire cette année quand même. Et enfin, on termine par nous rappeler que tout fichier n'est pas inviolable. Et donc on n'est pas à l'abri d'attaques, d'autant qu'on sait que ça va être une mine d'or qui va attirer énormément les pirates. Ah, bien sûr. Donc voilà, on est en train de dire au gouvernement, vous allez mettre en place quelque chose d'énorme et on ne pourra pas vous en garantir la sécurité. Et en plus, apparemment, ils ne sont pas trop interrogés pour savoir s'il existait d'autres choses. Pourtant, on peut penser qu'il y a d'autres solutions possibles. Alors pourquoi est-ce qu'on reste comme ça arc-bouté sur ce TES ? Tu as raison, parce qu'en plus, les rapporteurs ont précisé qu'il s'était interdit d'étudier une autre architecture. Donc on voit, voilà, alors est-ce qu'ils s'en offusquent ou pas, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités. On avait parlé d'intégrer les informations dans une puce qu'on porterait nous-mêmes, ce qui permettrait d'être nous les protecteurs et les garants des informations et non pas un fichier hébergé par l'État. Visiblement, le gouvernement est complètement décidé à imposer TES quoi qu'il arrive, quelles que soient les recommandations. Bernard Cazeneuve a bien dit qu'il n'allait pas suspendre ce décret, qu'il y aurait juste ce rapport qui permettrait de rassurer les gens. Je ne suis pas sûre que le résultat soit là. Alors pourquoi cette obstination ? Les deux raisons principales qu'avance le gouvernement actuel, c'est que ça va permettre d'accélérer les procédures administratif, plutôt d'avoir des fichiers séparés, passeport, carte d'identité, ça ira plus vite. Et puis, on va lutter contre les faux papiers, l'usurpation d'identité beaucoup plus facilement et efficacement. Alors, Delphine, on est en 2017, année présidentielle. Est-ce que la présidentielle peut rabattre complètement les cartes de ce TES ? C'est vrai que ce TES doit être finalisé en 2018 et d'ici là, on aura un nouveau président. Ça, c'est clair. Une nouvelle présidente peut-être et aussi un nouveau gouvernement. Pour autant, ce n'est pas si sûr que TES soit remis en question, puisque c'est quand même un projet qui n'est pas tout jeune. Il a déjà été présenté dans une loi en 2012 et il était donc soutenu par le gouvernement Fillon de l'époque. Et François Fillon, d'ailleurs, s'est à nouveau exprimé sur Action en disant qu'il le resoutenait, qu'il était tout à fait en accord avec TES. Et puis maintenant, la gauche aussi, qui était dans l'opposition et s'offusquait de ce fichier, maintenant elle est aussi d'accord avec ce projet. Donc oui. Voilà, forte probabilité pour que TES voit le jour. Bon. Très bien, merci beaucoup Delphine. Et pourtant c'était un si joli film, TES.
Ah oui, c'est vrai. Hein, c'est un peu, c'est vrai. C'était pas un peu un film un peu... Un peu à l'eau de rose, un peu olé olé, non? Un peu olé olé, oui. Je oui, sais pas, peut-être que je me trompe hein, complètement. Mm-hmm. Bon, 18h24, hashtag 01 live. Et tout de suite la chronique cinéma. On revient tout de suite. Non, il n'y a pas de chronique cinéma dans non, un live. Non, pas encore. Il y a écoutez, mieux. On y travaille. On a en revanche des chroniques smartphones. Ah ça, oui. ça, on est un plutôt spécialiste, les amis. On a trois smartphones à vous proposer ce soir. Et deux spécialistes pour en parler. Oui. Stéphanie Molinier, bonsoir. Bonsoir. Mrs. Smartphone. Et Raphaël Grably. Ça va, bonsoir. Raphaël? Oui, Mister, ça va. Mister Smartphone. Mister Smartphone. Ils sont exactement. Là. Bon, alors, on commence par qui, par quoi? Bah, on commence par Stéphanie, forcément, bah oui, parce que, normal. Un, on est galant. Deux, parce qu'il y a le nouveau Samsung qui arrive. Aïe, aïe, aïe. Stéphanie. Les nouveaux Samsung. Les Galaxy A. Donc en fait, bon, ça fait deux ans hein, qu'ils existent, les Galaxy A, et là, on est sur l'édition 2017. Et c'est pas bête hein, finalement, ils sont pas mal. Hein. Ils sont bien. Et ils sont vraiment pas mal parce que très joli coloris de voilà, ce que j'aperçois. Il y a vraiment eu un nouveau travail fait au niveau du design. Ouais. On est sur des modèles qui s'inspirent du Galaxy S7 clairement. Donc à l'arrière on a du vert. Je pense que Pierre Thiolin va nous montrer ça de près. Du vert 3D. Voilà. Donc c'est bien parce que c'est arrondi, c'est confortable à la prise en main. On a des nouveaux coloris. Donc voilà. Du rose et du bleu. Du rose et du bleu, exactement. Avec une finition qui a l'air de haute volée quand même. Hein. Oui, oui. Mmh. Du métal autour. Enfin vraiment, non, c'est... Donc, il y a le modèle on a l'impression qu'il a la finition du Galaxy... Le S7. Du S7, ouais, alors, quasiment. Pas Edge, hein, non, pas le Edge, ils sont voilà, plus petits. Mais un pourtour métal. Franchement, donc on retrouve... C'est vraiment très, 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 très bien fait. Du vert à l'arrière, du vert à l'avant. On voit bien tout ça avec la caméra de Jean-David. Voilà, c'est très légèrement arrondi, c'est ce qu'ils appellent du vert 3D. Oui, du vert 3D. Et c'est, non, du coup, ça, voilà, ça fait pas mal aux doigts. D'accord, c'est on retrouve la prise en main du S7, en fait, ça qui est bien. Voilà, ça glisse pas trop, le smartphone ne va pas vous échapper des mains. Donc, non, c'est assez joli du point de vue donc du design. Donc, il y a le bleu pour les garçons, les roses pour les filles, c'est ça? Voilà, on peut le présenter comme ça, mais pour ceux qui n'ont pas envie, il reste quand même un modèle qui est en noir et un autre qui est en gold. D'accord. Abandon du blanc cette année. Tiens. Stéphanie, qu'est-ce qu'on en pense de ces smartphones? Franchement, c'est une bonne affaire? Bah, on les a pas encore testés, mais franchement, je pense que ça va être pas mal parce que c'est le milieu de gamme de Samsung. On est entre les 300 et 400 euros quand même. Hein. Alors, on est sur un modèle, un petit modèle qui est à 329, un plus grand modèle, 5,2 pouces, qui est à 429. Donc, c'est vraiment du milieu de gamme, mais plutôt haut niveau, on va dire, parce que ça reprend beaucoup de choses du Galaxy S7, notamment l'étanchéité. Ah, hein, ça c'est bien. P68. Ah, ils sont étanches, les deux. C'est une grosse attente, je dirais. Ça c'est bien. Si ça pouvait, en fait, si les constructeurs pouvaient généraliser cette fonction, ça serait vraiment pas mal. Voilà. Même. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup d'autres choses. Tout est un petit peu monté en gamme. Alors, par exemple, sur le petit modèle, le A3, on a désormais le lecteur d'empreintes. On ne l'avait pas l'année dernière. On l'a cette année. Donc, les deux, désormais, ont ce lecteur. Sur le modèle A5, il est livré par défaut en 32 gigas de stockage. Bon, les deux, de toute façon, peuvent embarquer des cartes micro SD jusqu'à 256 gigas. Wow. Et puis après, on a des processeurs puissants. Et la on photo. A toujours écran Super AMOLED. Et la photo... Pareil, pour la première fois, Samsung en façade sort du capteur 5 mégapixels habituel. On monte à 16 mégapixels en façade. Sur le A5, oui, en façade. Et à 8 sur le A3. Et à l'arrière, on a, je crois, 16 mégapixels pour le A5 et 13 pour le... 13 ou 8, je ne sais plus ouais, combien. Et 13 pour le A3. D'accord, donc voilà une montée en gamme, on va dire naturelle, hein, voilà, avec carrément. Des composants issus du S7 qui se retrouvent sur un téléphone. Et ils font même un peu mieux parce que c'est les premiers en USB type C. Oui, ah oui, finalement, chez Samsung. Oui. Le premier, c'était le Note 7. Voilà, donc du coup, c'est aussi les premiers en USB type C, donc ça montre aussi clairement oui, le S8. Voilà. Le S8 sera en USB type oui, C sans micro doute. USB, c'est fini. Chez... D'ailleurs, emprunté du Note 7, il n'y a pas que le type C, il y a aussi l'interface qui avait été épurée. J'espère qu'ils ont pas pris la batterie. Qui avait été épurée pour...
comment dire, pour le Note 7, donc c'est ce qu'on reproche un petit peu à l'interface Samsung TouchWiz, un peu voilà, un peu fouillis. Là, voilà, on repart sur des bases un petit peu plus saines. Et puis quoi d'autre? Si, ce qui est assez amusant, c'est la nouvelle coque, le nouvel étui. Oui, le nouvel étui, ouais. Qui, on va faire la petite démonstration parce que c'est rigolo. C'est un étui en plus qui coûte pas une fortune. Et en fait, voilà. Je ne sais pas si ça va se voir. Il va s'ouvrir tout seul. Donc là, non, voilà. Alors attends, parce qu'il faut qu'on voit. Non, on voit rien parce que voilà la caméra. En fait, donc là, tu es en train d'appeler le téléphone, c'est ça ? J'appelle le téléphone et quand on reçoit un appel. Alors tourne-le vers la caméra. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une petite LED qui est tout autour du. Voilà, de la protection. Qui envoie de la lumière, j'ai l'impression, et voilà, donc c'est discret, ça fait de la lumière, bon, c'est toujours rigolo. Un téléphone qui fait de la lumière, c'est super. C'est beau quand même, c'est magnifique. Bon, surtout pour 400 euros, Jérôme, c'est rien, donné, finalement. Et, quelque chose aussi de moins récent, je termine juste avec ça. Oui. Parce qu'après, le temps qui t'était imparti est écoulé, hein, Stéphanie. Juste ça, cette petite... C'est quoi? En fait, voilà. C'est un coussin. C'est quelque chose qui permet de recharger son smartphone, donc c'est une batterie externe. Et ben non, en fait... Ça fait pas que ça, ça fait aussi enceinte. D'accord, donc ce sera un accessoire. C'est un accessoire. Avec le Galaxy A. C'est déjà sorti. D'accord, C'est déjà dispo depuis quelques semaines. Mais ça recharge, aussi ou pas du tout? Oui, c'est une batterie de 2500 mAh. Ah, c'est une batterie qui fait... C'est une batterie haut-parleur. Mais c'est aussi un haut-parleur, donc j'ai trouvé que c'était assez sympa. Ça fait jeux vidéo aussi Et combien ça coûte? 79 euros. Parfait, merci beaucoup Stéphanie. C'est cool. Autre smartphone, c'est avec Raphaël. On est toujours dans des téléphones, alors pas forcément hyper haut gamme, mais malgré tout qui s'en rapproche. C'est le nouvel Honor. Oui, alors c'est un petit peu moins cher, il est à 250 euros. Alors à chaque fois chez Honor, l'avantage c'est qu'ils font toujours des offres, etc. Grosso modo vers 220 euros, quelque chose comme ça. Alors en fait, ça va être assez présenté au CES. Au CES, exactement. Ouais. Alors pour la France et pour l'Europe. Alors on a fini de le tester. Le test va être très prochainement publié sur Zeronet. On peut en dévoiler un petit peu. Oui, même. Alors en fait, je vais être assez rapide justement. Ouais. Il est quasiment parfait. Alors je sais que moi j'aime beaucoup Honor personnellement. Ce qu'ils ont fait depuis septembre avec l'Honor 8 qu'on a d'ailleurs ici, que j'ai trouvé absolument génial pour le prix. Et le Honor 6X est aussi bien. En fait, il est. Alors il y a le design en métal. Alors je sais pas si on peut le voir à la caméra qui est juste derrière moi. C'est alors, il ressemble un petit peu au Huawei P9 en fait, bon, qui vient de qui est de chez Huawei, qui est la maison mère de Honor justement. Donc c'est un design un en métal. Hein. Exactement, il y a vraiment un air de famille. Donc il a ce design en métal qui est franchement pas mal du tout. Oui, et puis c'est très classieux quoi. Pour un smartphone à ce prix-là, c'est quand même assez rare. La finition est. La finition, il a des super finitions. Ouais. L'ergonomie. Comment? Double objectif. Alors contrairement aux autres smartphones Huawei et Honor, là c'est un petit objectif de 2 mégapixels juste pour la mise au point. C'est pas le truc monochrome 12 mégapixels, etc. Mais ça va permettre un truc assez sympa, moi que j'aime beaucoup, c'est l'effet bokeh, vous savez, l'effet un peu flou comme ça. Alors voilà une photo de Jean-Sébastien Zanqui que j'ai prise. Mais qu'il est beau, qu'il est magnifique. Il n'est pas venu aujourd'hui. Et donc il y a cet effet un peu flou derrière, comme on peut avoir avec l'iPhone 7 Plus par exemple. Alors, on reconnaît Olivier derrière. Hein, on reconnaît qui Moi je le reconnais. Hein. Il est flou, alors il a l'air ravi d'être là d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, donc c'est. Alors on va dire que l'effet n'est pas aussi convaincant que sur l'iPhone 7 Plus, hein, c'est pas le même prix. C'est moins bien. C'est moins bien, mais c'est pas mal, voilà. On est content d'avoir ça, c'est sympa, je trouve, pour les réseaux sociaux, c'est quand même très bien. Non, puis ça donne un côté réflexe, ça suffit. Exactement, ça donne un côté réflexe. J'ai plaisir. J'ai pas entendu la. Non, il a dit, désolé. Bon, de toute façon, pour Jean-Sébastien Zanqui, ça suffit, quoi. Oui, voilà, je suis d'accord. Voilà. C'est une petite vacherie de Honnête, mais ça fait du bien. Hein. Oui, c'est pas surtout pour lui. parce qu'il n'est pas là. Et puis là, on voit à l'écran, c'est justement l'écran qui est assez lumineux aussi. Mmh. Il est très puissant pour le prix aussi, avec un processeur à 2,1 GHz. Et surtout, par rapport au Honor 5X de l'année dernière, qui était déjà très bon, il est très autonome. Il a battu quasiment des records d'autonomie. Donc ça, c'est quand même un gros point fort. Il est très autonome. Il mange tout seul. Voilà, il mange tout seul. On peut le laisser. On peut le laisser chez soi. Il peut sortir une fois par jour. Même pas. Oui, exactement. Quels sont ses défauts malgré tout?
Eh ben, il y a deux petits défauts. Alors, il y a l'effet bokeh en photo qui est sympa, mais la qualité photo est clairement un cran en dessous, par exemple, du Honor 8 ou même des smartphones haut de gamme. Ou même du P9. Ou du P9, mais c'est normal, hein, c'est pas le même prix, il coûte deux fois moins cher. C'est correct, mais on va dire que... Et juste une parenthèse. Non, il n'y a pas du tout de l'écart là-dessus. Bon, on prend plutôt les questions sur Twitter, mais je vois passer un commentaire sur YouTube qui dit, à propos du SAV, parce que c'est bien les specs techniques, la batterie, la photo, etc. Non, mais Honor, le SAV... mais le support, le SAV, bah oui, non, ça y a pas de souci, c'est une entreprise qui a, entre guillemets, pignon sur site web, puisqu'ils vendent que sur le web, mais non, ils sont bien importants en France. On n'a pas besoin d'envoyer son téléphone en Chine. Non, pas du tout, non, non, ils ont une entité française qui est là, qui, ils ont des équipes françaises, c'est costaud. Ouais, ouais, non, c'est une marque qui est très sérieuse. C'est quand même un élément très important. Oui, je suis d'accord. Non, Honor, c'est... Mais les smartphones Honor, on les trouvait au début essentiellement sur le web, je crois qu'on commence à les trouver. On les trouve partout, chez Auchan, chez Boulanger, chez... On les trouve... Non, non, ils sont hyper bien référencés. Alors là, honnêtement, là-dessus, c'est une boîte qui est quand même très sérieuse. Et enfin, vous avez dit voilà la qualité photo. Qualité photo qui est correcte, mais alors dès qu'il n'y a plus de lumière, là c'est fini. Vidéo un peu qui bouge pas mal, la stabilisation est pas au top. Et dernière, alors là, on est vraiment un peu pointilleux. Il n'y a pas d'USB type C. Ça aurait été super qu'il soit là. Pour un smartphone à 250€, c'est vraiment pas un drame. En fait, le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de charge rapide. Mais d'un côté, comme il est très endurant, c'est pas dramatique. Donc vraiment, on va dire que tous les voyants sont verts. Il peut avoir une super note en test. Vraiment, vous pouvez y aller, le Honor 6X. À 200, moins de 250€. On peut dire qu'il récolte tous les honneurs, finalement. Voilà. Voilà. Bah, merci sans rebondir. Bravo. Bon. Elle est bien. Jérôme, je te parle de mon téléphone Hulk. Exactement. Alors, on va terminer par ce magnifique smartphone qui est deux fois plus gros que les autres. Hein, ouais, alors bon, si vous voulez, c'est pas franchement le plus beau des téléphones du moment. Le Galaxy A de Stéphanie ou même le Honor de Raphaël est plus joli. C'est pas le plus léger. C'est pas le téléphone de soirée, ça. Il pèse 230 grammes, etc. Tu vois. Mais ça, avec ce téléphone-là, tu vois, tu peux faire Koh-Lanta sans problème. Il va le refaire. Je sens qu'il va le refaire. Ah non. Non. Non, mais ce qui est intéressant. Tu n'as pas le droit de frapper tes camarades avec ça. Ce qui est intéressant avec ce téléphone, c'est que c'est issu d'une marque qui s'appelle Crosscall, qui est une marque qui n'est pas très connue, qui est française, qui est basée dans le sud de la France. Alors, d'après ce qu'ils nous disent, ils designent et ils conçoivent leur téléphone eux-mêmes, et après, ils le construisent en Chine, un peu comme Wiko, enfin, comme toutes ces marques-là. Hein. Évidemment, c'est un téléphone qui est chinois. Mais la particularité de ce téléphone, c'est qu'il est ultra résistant, Jérôme. D'accord, et vrai de vrai. Voilà. Pas comme certains qu'on a eu. IP67, donc comme la majorité des téléphones, on va dire étanches, mais celui-ci résiste à de l'eau de mer. Je ne suis pas sûr que l'iPhone qui est IP, je ne sais plus combien, résiste à l'eau de mer, par exemple. Non, je ne suis pas persuadé. Non. Donc si tu veux, c'est toujours un cran au-dessus en termes de résistance. L'écran, c'est du Gorilla Glass qui a été aussi un petit peu épaissi. L'autonomie, alors ça c'est l'un des points forts de ce téléphone, d'après les specs, il tiendrait véritablement deux jours en autonomie sans aucun problème. Faut tester ça au labo. Il est déjà, je l'ai vu. On l'a au labo. Appareil photo de 16 mégapixels, là encore à dire, a priori, j'ai fait quelques petites photos, c'est pas un iPhone bien sûr, mais les photos ont l'air tout à fait correctes. Et puis il est bardé de capteurs qu'il n'y a pas sur les autres téléphones. Il a par exemple un thermomètre intégré. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas ça. Il a un hygromètre. Il a plein de capteurs qu'il n'y a pas dans les autres téléphones, parce que comme c'est un téléphone qui est fait pour les sportifs, pour les randonneurs, eh bien toutes ces informations sont importantes. Pas mal. Lorsque tu es comme ça un peu coupé du monde. Alors voilà, c'est un téléphone qui coûte cher quand même, hein, 549€. Ce sont tous les smartphones qui sont un peu renforcés comme ça, on paye un supplément par rapport au vrai spec, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai qu'il a l'air plutôt bien fini en tout cas. Il n'est pas si gros que ça en fait, je plaisantais. Ça va, franchement, il a un design plutôt élégant. On a vu pire sur des smartphones renforcés. Alors bon, voilà, ça sera pas le téléphone de monsieur tout le monde, mais je pense que pour tous ceux qui ont des métiers parfois un petit peu à risque, ou bien pour tous ceux qui font des sports un peu extrêmes et qui veulent un téléphone qui tienne le choc et qui ne se posent pas de questions de savoir s'il est dans la poche et qu'il va traîner dans l'eau, c'est peut-être une bonne solution. Voilà. Très bien. Et ça s'appelle, c'est Crosscall qui fait que Cross ça. Crosscall. Voilà. Et c'est le Tracker X3. Tracker X3, petite présentation rapide et puis bien sûr à découvrir en test prochainement sur 01net. Voilà. Alors justement, c'était la question 01net Orange du jour. Vous est-il arrivé déjà de casser votre téléphone? Comme on le disait tout à l'heure, pas tant que ça, bravo. Vous êtes plutôt soigneux. 57% de non et seulement 43% de oui. Voilà, vous avez une semaine pour continuer pour casser votre téléphone. Voilà, grossir les votes. N'hésitez pas. www.0net.com pour notre question 01net Orange.
Merci de nous avoir suivis. Comme chaque jeudi soir, 18h-18h30, 01 Live Hebdo, le show hebdomadaire en direct consacré à toute l'actu high-tech avec l'équipe de 01net. Voilà, et puis on remercie Pierre Thuelien bien sûr et Jean-David Duarte qui ont réalisé ce 01 Live. Et merci à toute la rédaction de 01net bien sûr d'y participer comme chaque jeudi. Et merci pour vos commentaires, on se retrouve jeudi prochain. Bonne soirée. Non, mais tu sens qu'il est pas stable.